And go a little low on effects, and if I need more, I'll ask you. Thank you. Alors, le match est en cours. On vous souhaite une bonne soirée à notre antenne, chers amis. On vous présentera les gardiens dans quelques instants. Et on pourra vous parler également des officiels. Au départ, c'est le trio de Smolinski, Guillaume Latendresse et Tom Kostopoulos pour le Canadien. Alors, vous savez probablement déjà qu'il y a des changements. Et voilà, dès le départ, Sidney Crosby qui s'amène rapidement. Mais Markov a fait un beau jeu pour le rejoindre. Inutile de dire que Markov a tout un défi ce soir. Lui et Komisarek sont utilisés à outrance contre Sidney Crosby et ses ailiers. À égalité numérique l'an dernier, aucun but pour Sidney Crosby alors que Markov est sur la patinoire. Le disque est repoussé un peu plus loin le long de la rampe. Scuderi qui remet derrière le filet, pardon, Darryl Sedor. Là, c'est repris par Crosby. Belle feinte, sauf que ça passe et bloqué par Markov. Et là, Carey Price fait tout un arrêt. Et un deuxième au dépens de Mark Recchi. Bah, excellente stratégie de Michel Therrien. Tu opposes le meilleur joueur de la Ligue nationale à un jeune gardien de but recrue. Et le premier test s'effectue dans les premières minutes de la rencontre. Il y a 53 secondes éculées. Tout un jeu de la part de Crosby devant Komisarek. Et Recchi, lui, avait réussi à se blottir derrière Markov. Il va effectuer un premier tir, vous voyez. Et ensuite, on va s'amener. C'est Malone qui veut s'emparer du retour. Mais on va arrêter le jeu. Ben, si un gardien dit souvent qu'il aime être mis au défi, ils vont très tôt dans un match. Lui, c'est très tôt dans sa carrière, à 53 secondes. Il a fait vraiment tout un arrêt aux dépens de Mark Recchi. Alors voilà Ryder qui remet ou qui est saisi au centre. Il est arrêté cependant. Et voilà Koivu qui reçoit le disque. Koivu en territoire des Pingouins revient vers la ligne bleue. Laisse derrière lui à Roman Hamorlik dont le tir est bloqué par Gonchar. Gonchar qui repousse dans le coin. Là, c'est Ryder qui vient saisir la rondelle. Ryder la remet derrière à Higgins. Higgins est gêné par Malkin. Belle feinte cependant. Perd le disque. Et le long de la rampe, ce sera repris par Ryder. Voilà Higgins à son tour. Il est bousculé. À Koivu, à Ryder. Le tir bloqué par Mark Eaton. Et la rondelle sera cueillie au centre. Autour du Canadien d'attaquer avec conviction en territoire des Pingouins avec le trio de Koivu. Voilà une passe à Streit. Il saisit du revers. Rejette dans le coin, mais là, on rappelle le trio de Koivu au banc. Et les Pingouins vont tout simplement rejeter le disque. Eux aussi vont apporter des changements. Alors, on se regroupe derrière Carey Price. Voilà une rondelle qui est repoussée de Plekanec à Kostitin. De l'autre côté, vers Streit. Streit d'abord au Plekanec qui fait dévier tout juste à la gauche de Marc-André Fleury. Quel beau jeu orchestré par Marc Streit. Les Canets qui aura une chance ce soir de se faire valoir peut-être un peu plus avec les ailiers Kovalev et Kostitin. Voilà une rondelle qui revient à Christensen. Il est surveillé par Streit. Une passe arrière à Armstrong. Armstrong remet à la ligne bleue. Voilà le tir de Orpik qui va dévier dans le coin. La rondelle est reprise par Christensen. Plaquage à l'endroit de Bouillon ensuite. Et voilà Streit qui va accueillir la rondelle derrière son gardien. Et une passe précise pour Plekanec venant de Kovalev. La sienne cependant pour Kostitin. Lui revient et on apporte des changements chez le Canadien. Derrière le filet, mise en échec de Dandonneau à l'endroit de Orpik. Orpik qui avait tenté une mise en échec aux dépens de Koivu. C'est Peter Sekora qui avait reçu. Il avait raté deux secondes d'entraînement. Il est coupé, en fait frappé assez durement au visage. On a touché plus haut que la hauteur permise et le jeu s'arrête. Collaboration avec Tim Hortons et son nouveau ragoût poulet fajita, complet et complètement délicieux. Voyez sa fiche de l'an dernier avec la formation de Tri-City. Et de l'autre côté, c'est Marc-André Fleury qui, l'an dernier,
a remporté 40 victoires avec les Penguins. Oh, et là, Crosby a presque réussi à déjouer Carey Price. Son tir, cependant, a manqué un peu de précision à la droite. Et là, Price va saisir la rondelle au vol et on n'ira pas plus loin. Les arbitres, je vous les nomme ce soir, Mike Hasenfratz et Justin Saint-Pierre. Les juges de ligne sont Derek Hamel et Tony Sericolo. Alors, on va reprendre à la gauche de Carey Price. On apporte des changements d'abord chez le Canadien et ensuite chez les Pingouins. Smolinski à la mise en jeu devant Adam Hall. À qui on a offert un essai, ils vont au camp d'entraînement. Et l'une des raisons pour laquelle on l'a gardé, c'est que c'est le seul joueur de centre droitier du côté des Pingouins pour les mises en jeu. Alors, ça lui a valu un ticket à Pittsburgh. C'est pas mauvais. Non. Tu te cherches du travail en plein été et tu te retrouves avec les Pingouins. Alors, on va reprendre cette fois à la droite de Carey Price. Et Guy Carbonneau, ce soir, tu l'as mentionné, Pierre, 5 choix de première ronde dans la formation du Canadien. Higgins, Komisarek, Kostitsyn, Chipchura et Price. Alors, on y arrive petit à petit chez le Canadien, Yvon. Il y a eu plusieurs années de rattrapage à faire au niveau du repêchage. Et là, ça commence à porter fruit. Et chez les Pingouins, bien, inutile de rappeler à quel point on a fait de bons choix. On avait aussi de bonnes positions souvent pour repêcher. Je pense à Marc-André Fleury et Sidney Crosby. En plus, même Ryan Whitney qui a été un cinquième choix au total. Voilà la tendresse derrière le filet. La tendresse qui tente une passe, mais la rondelle lui est enlevée tout simplement par Scuderi. Et là, c'est du côté gauche pour Markov. Markov remet du revers à Kostopoulos. Belle remise à Smolinski. Une feinte. Et là, il est rejoint par Ryan Malone. Une feinte de trop. Smolinski, dans une telle situation, doit prendre un tir, d'autant plus que Marc-André Fleury avait la vue voilée. Là, c'est Daryl Sedor qui n'a plus de bâton. Fait une passe avec la main, ce qui est permis en territoire défensif. Et c'est un dégagement ensuite repoussé par Bouillon au centre. Voilà Higgins qui rejette dans le coin pour Koivu. Koivu s'amène et un tir ensuite bloqué par Fleury. Pendant que Koivu servait un peu d'écran, Ryder a décoché son tir sur le gardien Fleury. Voilà la contre-attaque, mais la rondelle refusait de suivre le mouvement de Sidney Crosby. Et le hors-jeu est provoqué à l'entrée du territoire du Canadien. Bon, un très beau jeu qui a été effectué dans un premier temps par Higgins, qui va rejeter la rondelle profondément dans le territoire. Au moment où Koivu est en course, il va plaquer le défenseur Scooter Eaton. Et par la suite, c'est Ryder qui est baraudeur, va effectuer un tir, même s'il est surveillé par Sidney Crosby. Alors Crosby à la mise en jeu devant Saku Koivu. Et le disque est rejeté en territoire du Canadien. C'est Komisarek qui le reprend des mains de Markov. Koivu fait des billes ensuite vers Ryder. À la droite de Fleury, Higgins s'amène. Higgins revient le long de la rampe. Et comme il le fait si bien, protège le disque jusqu'à ce qu'il le perde. Et c'est retourné ensuite en territoire des Pingouins. Voilà une passe un peu longue pour Mark Recchi. Et le disque va ensuite à Koivu vers Higgins. Higgins, plaqué par Gonchar. Repousse un peu plus loin. Gonchar rejette le long de la rampe. Atteint Malone qui rejette. Il fait dévier derrière Komisarek. Là, le disque est saisi au vol par Ryder. Il a vu l'ouverture. On apportait des changements chez les Pingouins. Ryder attend de l'aide. Remet vers Markov qui s'amène un peu tard. Et voilà un 2 contre 1. Koivu se replie quand même. Et là, c'est un disque bondissant que Jordan Staal ne peut saisir. Évidemment, Koivu était à bout de souffle, Yvon. Il était en fin de séquence. Sur la patinoire avec le Canadien. Oui, alors là, il y a eu cette confusion qui a créé ce surnombre. Et ce sera une première pénalité dans le match. Bon, il y avait la relance de l'attaque effectuée par Markov qui s'était replié. Il était profondément dans le territoire des Pingouins lorsque la contre-attaque est survenue. Il s'est replié, relance l'attaque. Et au même moment, au banc du Canadien, on apporte des changements. On s'est retrouvé avec beaucoup trop de joueurs sur la patinoire. On va déléguer Michael Ryder au banc des pénalités. Les Pingouins ont marqué 2 buts en 11 occasions en supériorité depuis le début de cette saison. Ils en avaient marqué 94 l'an dernier pour une efficacité de 20,3. Le Canadien a concédé 2 buts en infériorité cette saison. Voilà une passe un peu longue pour Malkin. Malkin est surveillé par Hammerlich. Remet le long de la rampe vers Ryan Whitney. La rondelle libre. Et Steve Bégin réussit un premier dégagement. Bégin qui a été atteint accidentellement au visage par le bâton de Tomáš Plekanec ce matin.
sans trop de gravité. Mais déjà une échymose au visage de Steve Bégin. Voilà Gonchar. Il remet du côté gauche. Il reprend 10. Voilà son tir. Il rappe. Et le retour. Touche de filet à l'arrière. Ce qui a servi la cause de Hammerlick. Qui a saisi la rondelle. Et a complété son dégagement. Les Pingouins reviennent aussitôt en contre-attaque cependant. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Beau travail de Plekanec aux dépens de Gonchar. Là, c'est à la ligne bleue. Gonchar. Gonchar avec un disque qui dévie. Mais à la dernière seconde, Bouillon rejette à l'autre bout. Et il reste 52 secondes avant le retour de Ryder. Sergei Gonchar. Toujours avec le disque. Pas d'option, mais passe derrière lui à Sikora. Le tir bloqué par Price. Le retour ira derrière le filet. Gary Roberts, bousculé par Komisarek. Christensen est là. Le disque reste coincé. Beau travail de Komisarek qui gagne encore un peu plus de temps. Et finalement, là, c'est repris dans le coin. La passe à Gonchar. Il atteint Christensen. Christensen s'avance avec 20 secondes à la pénalité. Sikora. Vers Gonchar, le disque est resté en territoire du Canadien. Ensuite à Christensen, devant! Oh, Price, encore une fois, tout un arrêt en se déplaçant à sa droite. Au dépens de Gary Roberts, comme l'a dit Yvon. Et avec tout ça, la pénalité... par son gabarit. Oh, pénalité terminée, voilà Ryder de retour. Et là, le Canadien en contre-attaque avec Ryder. Ryder une feinte et Sedor lui enlève le disque. Ryder le reprend, veut remettre à Higgins. Mais c'est repoussé plus loin. Et là, Georges cafouille et les Pingouins en profitent. Christensen avec un tir qui dévie sur le filet protecteur. Et on n'ira pas plus loin. Vous regardez le hockey des Canadiens au Réseau des sports. La première période est une présentation de Ford. Bougez mieux. Ah ben voilà où les reprises nous servent bien, M. Pedneau. Parce que Gary Roberts est dans une position favorable. Vous allez le voir derrière Komisarek. Mais lorsqu'il veut effectuer un tir sur réception sur la passe de Christensen, il va rater la rondelle. Voilà. Sauf que Carey Price était là. Sur le retour ensuite. Sur le déplacement, il était devant Gary Roberts. Alors les tirs, c'est 4-2 en faveur des Pingouins jusqu'à maintenant. Rondelle qui est rejetée derrière par Malone. C'est dévié ensuite vers Plekanec. Plekanec remet par la baie vitrée. Et ce sera saisi par Orpik dans son territoire. Voilà Ryan Whitney qui reprend. Whitney avec une longue passe qui a dévié sur le bâton de Kostitsyn. Georges s'amène devant Malone. Et la rondelle va glisser ensuite vers Armstrong. Derrière à Whitney. Il cherche la rondelle, la perd, la retrouve. Mais Plekanec lui enlève et réussit à passer à Kovalev. À Plekanec. Les Canets toujours. Remet du côté de Kovalev. Il va saisir par la rampe. Kovalev remet vers Streit, mais il n'attendait pas le disque. Et on devra revenir en zone neutre. Kovalev. Avec Talbot qui le suit de près. Et là, c'est Bouillon qui cherche à maintenir le disque. C'est fait. Voilà Kostitsyn maintenant derrière le filet. Kostitsyn est surveillé par Whitney. Kostitsyn cherche un coéquipier, veut remettre à Kovalev, ça a failli réussir. Et là, le tir échappe à Fleury, mais le retour sera repoussé plus loin. Et voilà Mark Recchi en contre-attaque, devant Bouillon. Recchi attend et réussit surtout patiemment à attendre l'arrivée de coéquipier. Voilà Georges Larac qui remet du côté de Sidney Crosby. Crosby est rejoint le long de la rampe, mais ne peut garder la rondelle en zone du Canadien. Et c'est Scuderi qui la reprend dans sa zone. À Crosby. Crosby contourne Smolinski. Et remet du côté gauche à Sedor. Un tir de loin. La rondelle glisse jusqu'à Larac. Larac est utilisé maintenant avec Recchi et Crosby. Et si on maintient la rondelle dans le territoire du Canadien, il va aller devant le gardien. Il est derrière le filet pour l'instant, surveillé par Markov. Remet à Crosby. Il est là. Voilà Scuderi. Qui passe ensuite à Sedor, à Recchi, derrière à Sedor, et ensuite vers Scuderi, mais il perd cette passe. Et Guillaume Latendresse réussit un dégagement en territoire des Pingouins. 9 minutes 45 à faire à cette première période, 0-0. Il n'y a pas beaucoup de tirs sur les deux gardiens, il y a eu quand même quelques bonnes chances de marquer. La meilleure appartient à Recchi. Absolument. Et Roberts ensuite qui a fendu l'air et qui n'a pu profiter d'un retour. Au centre, Peter Sikora.
Remet à Malkin. Malkin qui applique les freins. Remet derrière à Gonchar. Le tir qui rate à la droite de Price. Eaton s'avance. Rejette dans le coin. Komisarek est là devant Stahl. La rondelle qui revient ensuite à Malkin. Malkin veut rejoindre Stahl. C'est raté de justesse. Et voilà un dégagement qui retourne les pingouins à leur ligne bleue. Gonchar passe aussitôt à Eaton, à Gonchar. Au centre, le disque échappe à Malkin. Chipchura qui ne peut saisir la passe de Markov. Georges pendant fait un beau repli et remet à Ryder qui complète un dégagement. On va en profiter pour apporter des changements chez le Canadien. Le trio de Koivu qui s'amène. Georges avec une passe que Koivu saisit et remet aussitôt à Higgins et ensuite à Ryder. Ryder tire voilé. Fleury fait l'arrêt et fait dévier dans le coin. Whitney rejette derrière son gardien. La rondelle libre ira jusqu'à Koivu à la ligne bleue. Koivu remet à Georges. Ryder intervient devant Christensen, mais le joueur des Pingouins, à la deuxième occasion, rejette à l'autre bout. Et ce sera refusé à Pittsburgh. Il y aura mise en jeu en territoire des Pingouins. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS. C'est Guy Carbonneau qui faisait la remarque à propos de Price en disant qu'il excelle lorsque la rondelle est derrière son filet pour aider la cause de ses défenseurs. Voyez ici, intercepte le disque. Les Pingouins sont incapables d'accentuer l'échec avant. Remet au défenseur et la relance de l'attaque est effectuée. Bon, attention, un 2 contre 1. Une feinte de Christensen. Et finalement, l'espace s'est refermé. Mais l'attaque se poursuit chez les Pingouins. Hall dans le coin, surveillé par Bouillon. Hall toujours. Protège la rondelle le long de la rampe, la remet à Christensen. Derrière à Roberts. Roberts attire Streit, passe à Hall. Hall cherche une option. Bouillon le repousse un peu plus loin. Hall garde la rondelle. Il est costaud. Il fait 6 pieds 2, 200 livres. Passe avec le patin. Un tir de Orpik qui ira derrière le filet. Et finalement, c'est Streit qui a repris justement des mains de son gardien. Ouais. D'ailleurs, ce matin, lors des simulations 5 contre 5, une fois, il a raté la rondelle derrière le filet. Et là, on est en simulation. Et il était furieux contre lui-même. Oui. Et qu'est-ce qui se produit dans une telle situation? C'est que le défenseur est en mesure, lorsque tu arrêtes la rondelle derrière le filet, ça permet au défenseur d'avoir une meilleure vision du jeu. Il n'y a pas de pression qui est exercée par l'adversaire. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de Bouillon. Et tout à l'heure avec Georges, lorsqu'il lui a remis la rondelle et le Canadien peut relancer son attaque. Les Canucks ont gagné la mise en jeu devant Crosby. Et la rondelle est interceptée cependant au vol en territoire du Canadien. Voilà Malone qui remet derrière le filet. Recky fait dévier tout juste devant Price, mais Plekanec était prêt à saisir le disque. On passe à Kovalev. Kovalev, pour lui-même, il est repoussé vers le centre, va reprendre la rondelle et la remettre à son défenseur. On apporte des changements chez le Canadien. On ne peut pas dire que les deux entraîneurs chôment ce soir. Non. Autant Michel Therrien que Guy Carbonneau cherchent constamment soit à déstabiliser l'autre ou à répliquer à l'autre. Ben, Michel Therrien, tout d'abord, a utilisé Crosby contre le trio de Chipchura. Maintenant, c'est contre le trio de Koivu, ce qu'il a fait il y a quelques minutes. Et là, il tente à nouveau l'expérience. Mais ce qui est important pour Guy Carbonneau, c'est que Komisarek et Markov soient sur la patinoire. Un coup de bâton, deuxième pénalité. Ça s'est passé loin en territoire du Canadien, très loin du jeu. Et c'est Mike Komisarek qui est pris en défaut. Komisarek, visage du méfié à la suite du coup de bâton de Matt Sundin samedi soir à Toronto. Qui, lui, n'a pas eu de pénalité. Non. Alors, on va voir ce qui s'est produit. Vous voyez de quelle façon Crosby est venu petit coup de bâton derrière la jambe. Et là, Komisarek va répliquer. Petit coup de bâton derrière la jambe. Bye! Voilà. Travail accompli pour Crosby. Alors, deuxième jeu de puissance en première période pour les Pingouins. 2-12 maintenant cette saison pour Pittsburgh. Malkin tombe sur la patinoire lorsque bousculé par Georges. Sekora intercepte cependant, remet à Whitney. Et ensuite, c'est Gonchar qui saisit la passe de Sekora à Malkin, à Gonchar, à Malkin. Le tir, Price fait l'arrêt et ne donne pas de retour. La Malone était prêt à cueillir la rondelle, mais il n'en a pas eu de retour et Price réussit l'arrêt. Et dans son déplacement, il va utiliser le style papillon, vous le voyez. Mais comme il mesure 6 pieds 3 pouces, couvre bien les angles, à ras la glace, va effectuer l'arrêt et par la suite va pouvoir conserver la rondelle près de lui. Gonchar remet dans le coin à Whitney, à Gonchar, voilà le tir, il rate la cible. Sekora s'avance pour saisir, remet à Malkin.
Le long de la rampe, toujours. Là, finalement, c'est Stahl qui reprend. Remet à Gonchar. À Whitney. Et à Gonchar à nouveau. À Ryan Whitney. Fin de tir. Protège la rondelle. Remet vers le devant. Et ensuite, c'est Plekanec qui fait dévier. Et c'est rejeté ensuite à la gauche de Price. Malkin en se retournant. Rejoint Gonchar. Voilà le tir. Et il rate par beaucoup à la droite du gardien. Et là, il y a une ouverture pour Plekanec qui va se contenter d'un dégagement. Mais le quatuor a fait son travail. Très important lorsque les meilleurs effectifs des Pingouins sont sur la patinoire. Évidemment, Crosby n'était pas là, mais tu dois protéger la zone privilégiée. Aucun tir de la zone privilégiée. Alors, il est là cette fois avec Christensen et Gary Roberts. À l'arrière, il y a Sedor et Gonchar qui restent là. Voilà Chipchura qui reprend. Et Chipchura qui perd le disque, n'attendait pas le repli de Crosby. Il lui a joué tout un tour. Dans le coin maintenant, Georges qui tombe, plaqué par Roberts. La rondelle dévie derrière Price. Il reste 10 secondes avant le retour de Komisarek. Voilà Crosby. Il remet à Orpik. Orpik visait Christensen dans le coin. C'est raté. Et voilà Komisarek de retour. Alors Komisarek appuie l'attaque. Chipchura tire. Fleury saisit. Ne donne pas de retour à Komisarek. Et le jeu s'arrête. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS. Alors, petit rappel des matchs de baseball et séries de championnat qui se poursuivent sur nos ondes. Alors, jeudi 11 octobre, après le match des Sénateurs, Colorado contre Arizona, le premier match de cette série. Je n'aurais pas parié que Colorado affronterait Arizona en deuxième ronde des séries. Hein? Alors, voilà ce match. Les Red Sox. Ah, les Red Sox sont là. Let's go, Red Sox. Oui. Et à Chicago, c'est encore le deuil. Oui. Ça fait 100 ans. À New York, c'est pas le deuil. À New York, c'est la catastrophe. À New York, c'est... Terminé. On pense qu'on est dur à Montréal, parfois avec les joueurs du Canadien. Il faut voir à Toronto auprès des Leafs et à New York envers les Yankees. Là, c'est. Voilà, la doit se replier plus rapidement. Passe de Talbot qui est bloqué par Strike. Et là, c'est Armstrong qui reprend derrière le filet. Armstrong rejoint Talbot. Talbot avec une passe arrière à Colby Armstrong. Armstrong est arrêté par Bouillon. Voilà Kovalev qui rate sa passe, mais se reprend aux dépens d'Adam Hall. Kostitsyn, lui, rate son dégagement. Et le tir est bloqué par Price avec Colby Armstrong qui était posté devant lui. Et un dégagement d'Adam Hall. Les deux équipes vont en profiter pour apporter des changements. Alors c'est pourquoi Streit prend bien son temps. Les coéquipiers s'amènent. Et Ryder, lui, fait dévier vers Higgins. Higgins arrêté par Scuderi. Oh, il y a un dégagement qui était presque une passe pour Larac. Voilà le repli de Komisarek. Contact entre les deux colosses. Et ça se poursuit dans le coin. Voilà Scuderi qui reprend à la ligne bleue. Regarde la position de Larac. Et là, c'est Crosby qui vient plaquer Koivu. Le disque est maintenu en territoire du Canadien avec 2 minutes 57 à faire. Et Ryder rejette le disque derrière Scuderi. Poursuit sa route. Contact entre les deux joueurs. Ryder, toujours avec le disque. Le perd finalement et c'est Sidney Crosby qui s'amène. Ryder replie, plaque Crosby. La foule qui rouspète. Ryder, disons, s'en tire bien. Est-ce qu'il a sorti le crochet? Enfin, il faudrait voir à la reprise, mais on a toléré chez les officiels. Scuderi à Orpik et ensuite à Sikora. Longue passe de Sikora, touché au centre par Chipchura. Sikora reprend et un dégagement qui sera repris par Roman Hamerlik. Le Hamerlik à Dandonneau. Un dégagement en territoire des Pingouins. Ryan Whitney tente un dégagement, mais Dandonneau a bien joué à ses dépens. Et c'est Jordan Stahl en repli. Il reprend le disque, le remet à Orpik. Stahl qui, sur cette séquence, du moins, vient de retrouver son poste au centre. Quoi qu'il y avait permutation avec Malkin. Et voilà la contre-attaque. Georges qui a été devancé par Steve Bégin. Et le jeu sera rappelé avec 1 minute 49 à faire à la première période. Alors voyons voir si Ryder a commis une faute à l'endroit de Sidney Crosby qui effectue la sortie de zone. De cet angle, il n'y avait pas de pénalité. D'un autre angle maintenant, peut-être qu'avec son bâton, il a touché à la ceinture ou encore
Les pantalons de Crosby, ouais. Habituellement, on ne laisse pas passer ce genre d'infraction. Guillaume Latendresse. Avec un dégagement derrière Scuderi. Latendresse poursuit sa route. Vient bousculer Scuderi. Voilà Kostopoulos qui reprend. Perd le disque à Roberts. C'est ce que Latendresse doit faire. Il doit plaquer l'adversaire, s'impliquer dans des situations de jeu profondément dans le territoire d'adversaire. Là, il perd le disque au centre et c'est Armstrong qui le remet à Roberts. Vers Armstrong et beau repli de Francis Bouillon qui empêche le jeu de se compléter. Streit à Latendresse. Et un disque qui dévie en territoire des Pingouins, c'est repris par Sedor. Sedor passe au centre. Roberts remet ensuite vers Christensen. Et attention, voilà Plekanec qui saisit. Il est rejoint cependant par Gonchar. Et la passe de Malone vers Crosby. Crosby rejoint par Komisarek. Crosby toujours pour lui-même et revient vers la ligne bleue. Laisse derrière lui ensuite à Mark Eaton. Et là, Kostitsyn s'amène aux dépens de Malone. Voilà Noandel qui revient à Crosby. La passe devant, l'arrêt de Price et un autre au dépens de Mark Recchi. Et ça se poursuit. Et un autre arrêt cette fois au dépens de Malone et un autre ensuite au dépens de Sidney Crosby. Et voilà Kovalev en territoire des Pingouins. Kovalev qui perd le disque. Talbot s'amène au centre, mais il est devancé par Koivu. Il reste 15 secondes à la période. Roman Hamrlík derrière Price en bien son temps. Il reste 6 secondes. C'est pas une guerre. La foule n'est pas tout à fait d'accord. On va écouler le temps et on va revoir ce qui s'est passé exactement autour du filet de Carey Price qui a obtenu 9 tirs au cours de cette première période. Tout d'abord, le bon travail des Pingouins le long de la clôture. Le Canadien ne fait pas le poids sur cette séquence. Un premier arrêt au départ de Gonchar qui avait quitté sa position de défenseur. Crosby conserve la rondelle, remet devant. C'est un tir qui est effectué par Malone. Et on a vu que Recchi était placé à l'embouchure du filet. Ensuite, le Canadien a transporté la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Nous sommes de retour au Mellon Arena. On peut quand même pas dire qu'on a eu la meilleure période de l'histoire entre les deux équipes. Ce qui n'a pas empêché Carey Price, Yvon, de montrer quand même certaines belles choses au cours de ses premières 20 minutes. Alors, fin marquant de la première période, on va se tourner du côté de Price. Tout d'abord, c'est la passe ratée par Robert, mais un bon déplacement. Ici, c'est un arrêt au départ de Christensen, mais le tir, vraiment, il avait été dirigé par Plekanec. Un lancer de Malkin, c'est dévié par Hamrlík, mais encore une fois, Price va effectuer l'arrêt. Et ensuite, devant le filet, il va se déplacer rapidement, malgré la présence de trois joueurs, réussir à faire l'arrêt. Et lorsque Crosby veut saisir le retour, le Canadien va parvenir à libérer le territoire. Alors, les deux entraîneurs auraient pu demander à leurs joueurs de mettre un peu de carburant dans le réservoir. Ben, je posais la question à Guy Carbonneau ce matin. La présence de Price devant le filet, est-ce que les joueurs du Canadien vont se concentrer davantage en défensive? Il a dit oui. C'est instinctivement. Instinctivement, tu le fais. Parce que là, tu veux protéger un peu ton jeune gardien. Tu ne veux pas que ce soit une soirée difficile pour lui. Et là, tu te concentres un petit peu plus sur la défensive. Et je pense et je crois que c'est ça qu'on a vu du Canadien en première période. Mais même chez les Pingouins, ils vont, à part Crosby qui est constamment en avant du jeu, on traîne de la patte un peu ici. Voilà Recchi, en début de période, qui revient vers la ligne bleue. Recchi tente une passe. Higgins réussit à bloquer. Et ensuite, c'est Crosby qui remet à Malone. Malone avec un tir, la rondelle qui va derrière le filet. Et Ryder réussit à reprendre pour lui-même. Et là, relance l'attaque, mais il est rejoint par Ryan Malone. Et un tir ensuite de Komisarek en territoire adverse. Il n'y avait personne chez les Canadiens pour saisir. On apportera des changements de toute façon. Malone avec un dégagement que Hamrlík va cueillir. Contourne son gardien, remet du revers à Kovalev. Il fait dévier derrière à Komisarek vers Koivu. Koivu qui, sur cette lancée, va retourner au banc de son équipe. Les Pingouins en profitent pour s'amener en territoire du Canadien. Voilà une rondelle qui est repoussée. L'arrêt de Price au dépens de Christensen. Et là, finalement, le sifflet se fait entendre. Dégagement refusé. C'était Adam Hall plutôt, Christensen, qui était là, devant le filet. Christensen. Oui. Christensen qui a marqué 4 buts l'an dernier contre le Canadien. Vous voyez, il va se déplacer rapidement alors que Gary Roberts travaillait très bien derrière le filet.
La rondelle va apparaître tout près de Christensen. Un tir qui est effectué et un tir d'environ une quinzaine de pieds bloqué par Price. On avait rappelé de Wilkes-Barre. Il avait 24 points en 16 matchs. Il a gagné sa place à Pittsburgh en en marquant 18 au total, en 61 matchs. Orpik, premier choix de l'équipe en 2000. Remet devant lui, Christensen saisit à Roberts. Le tir de Roberts, Price donne le retour, tombe à la renverse ensuite, mais la rondelle est récupérée par Kostitin. À Kovalev, son tir bloqué par Fleury qui donne aussi un retour et Kovalev a failli en profiter. Plekanec s'intercepte à Kostitin. Voilà son tir, Fleury fait l'arrêt. Et à nouveau Plekanec qui s'avance mais un peu trop tard. Et en contre-attaque, c'est Evgeny Malkin. Malkin qui trébuche lorsque Streit lui enlève le disque. Et la rondelle au centre est repoussée par Streit en territoire des Pingouins. Stahl rejette à la gauche de Price. C'est Bouillon qui a le disque. Bouillon à Smolinski, à Kostopoulos. Un dégagement en territoire des Pingouins. La rondelle échappe à Fleury. La tendresse cherche à la protéger dans le coin, n'y parvient pas. Et voilà la contre-attaque avec Peter Sikora. Sikora à Malkin. Malkin vers Sikora. Bon repli de Bouillon cependant qui empêche Sikora de compléter. Sikora va se plaindre un petit peu d'obstruction auprès de l'arbitre, mais il n'aura pas gain de cause. Et là, hors-jeu à l'entrée du territoire des Pingouins. Et le jeu s'arrête. Alors, quelques statistiques compilées après 20 minutes. Alors, il y a eu 5 occasions de marquer par les Pingouins en première période. Seulement 2 par le Canadien. Carey Price a effectué 9 arrêts, dont 4 dans les derniers instants de cette première période. 1100e match du défenseur Darryl Sedor ce soir. Et le temps de jeu de Carl Chipchura, 3 minutes 34. C'est-à-dire que Michel Therrien a décidé d'utiliser Crosby, habituellement, il l'a fait jouer contre le trio de Koivu en première période. Mm-hmm. Et ça, tu obliges Koivu à être beaucoup plus conscient de sa défensive. Donc, tu enlèves un élément important en attaque chez le Canadien. Tu as fait raison, c'est un double effet de l'utiliser en pareille circonstance. Là, c'est Chipchura, dont le dégagement a touché l'arbitre. Et les Pingouins en profitent. Un tir que Price va repousser dans le coin. Voilà Mark Recchi à Crosby. Et finalement, c'est intercepté par Dandonneau. L'arbitre a levé le bras et va chasser Mike Komisarek. Ben, Komisarek avait maille à partir avec Malone, 6 pieds 2 pouces, qui était passé devant le filet. Alors, troisième pénalité imposée aux Canadiens depuis le début de la rencontre. Aucune aux Pingouins. C'est bien ça, Marc? Exactement, tout à fait. Alors, on va observer le travail devant le gardien. Vous voyez Komisarek et Malone, finalement, Komisarek a un peu trop insisté. Et on va le chasser pour 2 minutes. Mauvaise pénalité de la part de Komisarek, d'autant plus que Malone était au moins à 60 pieds de la rondelle. Et là, c'est Plekanec qui réussit à s'emparer du disque dès le départ. Le rejette derrière Whitney. Les deux joueurs se mettent dans le coin. Qui a levé le bâton? C'est Whitney. Il sera chassé. Ouais. Il a retenu. Parce que Plekanec avait levé le bâton aussi contre lui. Alors, il aurait pu, ça aurait pu être le cas également, mais finalement, Whitney s'en va au banc. Bien, Whitney va chercher à défendre sa cause, mais c'était une situation un contre un. Et Plekanec va faire une feinte à sa droite, revient à gauche, et là, c'est avec sa main gauche, tout simplement, avec sa main gauche, il va toucher le bras de Plekanec, et c'est à ce moment-là qu'il y a pénalité. Mais Plekanec a surpris tout le monde. Un petit peu charmieux. Oui. Plekanec a surpris quand même tout le monde. Beau jeu de la part de Plekanec. Oui, avec cette relance. Alors, 4 contre 4. Peut-être que ça va ouvrir le jeu un peu, Yvon. Il faudrait bien qu'on ait un peu plus de lustre dans ce spectacle ce soir. Koivu remet dans le coin. Et là, c'est Hamerlik avec un tir. L'arrêt de Fleury. La rondelle revient à Hamerlik, à Koivu. Et la rondelle qui dévie encore. Une chance ratée par la suite par Christopher Higgins. Et là, un autre arrêt de Fleury au départ de Higgins. Alors, retour du gardien des Pingouins d'être brillant devant sa cage. Et du côté de Koivu, sans Crosby sur la patinoire, tu es en mode attaque. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Un premier arrêt de la part de Fleury au départ d'Hamerlik. Ensuite, vous voyez la position de Higgins qui va rater un filet ouvert. Koivu va accentuer l'attaque. Remet devant, la rondelle est déviée par Higgins. Mais Fleury est au bon endroit. Il n'avait même plus de bâton. Alors, mise en jeu à la gauche de Fleury.
Le disque revient aussitôt à Scuderi. Scuderi à Stahl. Jordan Stahl avec Malkin. Stahl toujours. Tir qui est bloqué cependant en défense. Et Plekanec reprend. Contourne le gardien. Remet à Bouillon, mais une passe imprécise. Bouillon à Markov et ensuite à Kovalev. Kovalev vers Plekanec. Les deux joueurs en croisé. La passe de Plekanec cependant directement sur Malkin. Et Stahl en profite pour s'amener en territoire du Canadien. Stahl attendu par Bouillon, rejette faiblement derrière Price. André Markov cueille le disque et le remet à Kovalev. Voilà Kovalev devant Sedor. Une passe vers Bouillon. La rondelle est rejetée vers Plekanec qui est retourné au banc. Et là, Smolinski a dû attendre pour éviter un surnombre. Et les Pingouins en profitent. Malkin à Sedor, le tir, l'arrêt de Price. Et le disque va bondir derrière lui. Quel mauvais changement. Oui. Une rondelle qui était relancée vers Plekanec qui est retourné au banc. Oh là, beau jeu en défense de Roman Hamrlík. Passe à Ryder, mais il a été devancé par Smolinski. Et le jeu sera rappelé. 12 secondes avant le retour de Komisarek, 23 avant le retour de Whitney. Après sa mauvaise passe dans le territoire des Pingouins, Plekanec, vous avez vu, se dirigeait vers le banc. Smolinski était déjà sur la patinoire, doit rebrousser chemin. Pendant ce temps-là, Sedor s'amène comme maraudeur. Un tir qui est bloqué par Price. Alors, Smolinski devant Christensen. La rondelle va à Streit, qui remet à Hamrlík. Vers Ryder, derrière à Hamrlík. Et au centre, une longue passe qui revient à Streit, venant de Smolinski. Derrière pour Komisarek, il est de retour. Il reste 5 secondes avant le retour de Whitney. Voilà le tir devant de Smolinski. Le Fleury était prêt encore. Et pénalité terminée, Whitney est là. On lui visait le disque, mais Hamrlík a bien joué. Et on apporte des changements aussitôt chez les Pingouins. Kostitsyn rejette à l'autre bout. Sortie de Fleury. Kostitsyn enlève le disque à Eaton. Kostitsyn, toujours une passe arrière qui va dévier sur le patin de Chipchura. Chipchura qui remet vers Dandenault, beau jeu en défense pendant. Voilà Georges qui remet à Kostitsyn. Un tir bloqué par Fleury. Chipchura reprend. Chipchura, elle passe à Kostitsyn, le tir s'est bloqué, le retour est raté par Dandenault. Et aussitôt Crosby s'amène en contre-attaque, se faufile, tire, Price a le dernier mot. Quelle accélération. Oh. Lorsqu'il s'est amené entre les deux défenseurs, tout de suite l'accélération pour pouvoir parvenir à s'évader. Et un dégagement refusé aux Canadiens. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS. Alors, la question Dodge que nous vous posons ce soir. Parmi ces joueurs, lequel pourrait remporter le trophée Art Ross, qui est remis au meilleur pointeur dans la Ligue nationale? Sidney Crosby, Danny Heatley, Jaromir Jagr, Joe Thornton ou Vincent Lecavalier? Vous répondez à www.rds.ca/hockey. Crosby remet derrière lui à Scuderi. Ensuite à Malone, vers Crosby. Chipchura intervient, mais ne peut saisir. Et le tir de Crosby est repoussé. Et il y aura pénalité à Markov. Double échec au dos de Sidney Crosby. Et le Canadien retourne au banc des pénalités pour une quatrième fois dans le match. En l'espace de quelques secondes, Crosby a donné passablement de fil à retordre à Markov. Ici, très mauvaise pénalité devant le filet, d'autant plus que Chipchura était en possession de la rondelle. Et au préalable, on avait vu l'incursion de Sidney Crosby qui lui avait permis de s'amener tout près du filet de Carey Price. Pas du jeu qui est survenu avant la pause. Crosby gagne la mise en jeu, remet à Gonchar. Longue passe à Ryan Whitney ensuite. Whitney à Gonchar. De l'autre côté à Crosby. À Gonchar. Gonchar passe à Whitney qui se déplace un peu, revient sur ses pas. Reprend la passe ensuite de Recky à Gonchar à la ligne bleue. Gonchar à Whitney. Whitney remet vers l'enclave. C'est imprécis. Ensuite, Crosby reprend à Malkin, à Crosby. Crosby avec une feinte. Price fait l'arrêt. Trébuche. Et là, il y a eu le but. Marqué par Ryan Whitney. Mais Crosby pourrait plaider sa cause, Yvon. Oui, absolument. Je veux dire, Price pourrait plaider sa cause. Là, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. On dit qu'il y a eu obstruction avec le gardien de but. C'est qu'on empêche Price
de faire son boulot. Observez bien ici. Là, on va le pousser. Tu vois ici de quelle façon Crosby va pousser le gardien. Tu empêches le gardien de faire son travail. Et c'est la raison pour laquelle Bouillon est en discussion avec l'officiel. On lui dit, le règlement stipule que tu ne peux pas empêcher le gardien de faire son travail. Et depuis le début de la saison, Yvon, ces pénalités sont signalées par des officiels. Et on doit probablement alléguer que Crosby a été poussé. Je ne sais pas si on peut revoir la séquence pour voir si Crosby a été poussé vers le gardien de but. Et en allant raconter Guy Carbonneau, pour la bonne raison, Ryan Whitney, celui qui a marqué. Alors, observons bien ici. Bouillon contre Ricky, ça va. Là, Crosby s'amène, il est poussé par Hammerlick. Oh, c'est peut-être pour cette raison qu'on a dit Hammerlick pousse Crosby vers le gardien de but. Ouais, évidemment. Il est déplacé. Et là, là Crosby là. Il prend tout son temps, lui. Crosby ne fait pas d'effort pour éviter le gardien. C'est ce que je dis. Il prend tout son temps par la suite. Ben écoute, de toute façon, un quatrième jeu de puissance. Le Canadien joue avec le feu. Et les Pingouins qui marquent, c'est Ryan Whitney. Il marque son premier de la saison. En supériorité numérique. Koivu à Bouillon. Tire de Bouillon. Fleury fait l'arrêt et ne donne pas de retour en apercevant Michael Ryder qui s'amenait rapidement vers lui. Et Guy Carbonneau peut s'adresser en français, lui, à Justin Saint-Pierre, oui, dans le premier temps. Et là, c'est en anglais, à l'arbitre Hasenfratz. Bon, je regardais, on va vous faire voir tout à l'heure avec la caméra qui est placée au-dessus du filet de Carey Price. Alors, Whitney de Recky et Crosby à 7 minutes 8 secondes. 1335e point en carrière pour Mark Recky. 39 ans. On va pouvoir jouer jusqu'à 45 ans avec Sidney Crosby. Au devant, Price fait l'arrêt. Il avait perdu la rondelle, mais la retrouve à la toute dernière seconde aux dépens d'Adam Hall et le jeu s'arrête. On avait complètement ignoré Adam Hall qui était placé à la gauche de Carey Price. Donc, beaucoup de pression exercée par les Pingouins depuis quelques minutes. Alors, revoyons la chance de Adam Hall. Voyez de quelle façon il va aller se placer à l'embouchure du filet pendant que les Pingouins contrôlent la rondelle. Va se blottir derrière Strite et parvient néanmoins à effectuer, à diriger la rondelle vers Price. Mark Recky dans le coin, surveillé par Georges. Et ensuite, Smolinski a fait une chute. Recky à Malone qui fait dévier, mais Price a réussi à toucher à la rondelle. Pénalité. Et autre pénalité au Canadien, un double échec à l'endroit de Ryan Malone, et c'est Guillaume Latendresse qui est pris en défaut. Ou est-ce que c'est... Oui, c'est bien lui, non? Alors, c'est Georges qui est chassé. On va revoir la séquence sur le but de Ryan Whitney avec caméra placée au-dessus du filet. Et ce qu'il faut surveiller tout d'abord, c'est cette séquence-ci. Voyez, est-ce que... Voyez, quand on vous dit que Crosby n'a pas fait d'effort pour éviter le gardien de but, il n'y avait pas une grande pression exercée par Hamerlick sur cette séquence. Et là, Georges, c'est celui qui a accroché Malone. Il est chassé pour 2 minutes. Rudesse, cinquième pénalité. 5 contre 1 au Canadien. Voilà Malkin qui remet à Gonchar. Un tir bloqué devant le filet. Crosby du revers en se retournant. Et le gardien perd son masque. Et c'est pourquoi le jeu est arrêté aussitôt. Ben, il y a eu un tir qui a été effectué par Gonchar. Est-ce qu'il y avait un joueur des Pingouins devant le filet qui l'a bousculé? Je sais pas si on aura l'occasion. Vous voyez le tir de Gonchar. Et là, il va perdre l'équilibre. Au même moment, c'est son casque. Il va perdre son casque en même temps. Oui. Crosby était tout près, mais oui, je crois pas qu'il y ait eu un contact avec Crosby. Non. Crosby remet à Gonchar. À Crosby. Voilà son tir qui est dévié par Recky à la droite de Price. Whitney à Malkin. Et à Crosby maintenant. Beau jeu de Smolinski qui remet à Chipchura. Et finalement, à la deuxième chance, réussit le dégagement à l'autre bout. 1 minute 20 secondes avant le retour de Josh Georges. Gonchar. Il rejette à l'autre bout. Price laisse le disque derrière à Hammerlick. Dégagement réussi par Hammerlick. Et Fleury doit se méfier de Dandenault qui s'amène en échec avant. Whitney
On remis de l'autre côté à Malkin, à Whitney. Et voilà Gonchar qui relance l'attaque à 5 des Pingouins. La passe à Sikora. Et ensuite à Roberts. Roberts passe à Gonchar. Gonchar qui cherche l'option, choisit un tir. C'est touché par Roberts qui avait fait une chute devant Carey Price. Whitney à Gonchar. Avec encore 32 secondes à la pénalité. Sikora, le tir! La rondelle qui dévie dans le coin. C'est repris par Whitney, il a remis à Gonchar. Voilà Whitney qui reprend devant Bégin. Une passe ensuite à Roberts. De Roberts à Malkin. Malkin remet à Gonchar. Gonchar avec une feinte à Malkin, mais Bégin a touché au disque. Voilà Whitney qui reprend. Il tente un jeu devant et encore Bégin qui intervient devant Malkin. Deux fois de pas de Malkin. L'attaque se poursuit. Voilà Whitney qui reprend 3 secondes avant la fin de la pénalité. À Gonchar, le tir. Bel arrêt au départ de Roberts qui a fait dévier la rondelle. Et un dégagement à l'autre bout qui permettra des changements. Là, il y a beaucoup de joueurs en même temps sur la patinoire. Et c'est toujours 1-0 les Pingouins. Une frappe de Darryl Sedor en territoire adverse. Le disque revient à Armstrong. Et là, c'est Plekanec qui tente un jeu vers Kovalev. Kostitsyn reprend au centre. Kostitsyn derrière à Plekanec. Plekanec protège bien le disque. Quel beau jeu! Voilà son tir directement sur le défenseur Scuderi qui avait été victime de cette feinte de Plekanec précédemment. Komisarek à Markov. Une longue remise ensuite à Georges, Kostitsyn, pardon, qui fait dévier un peu plus loin. Voilà Scuderi avec une passe ratée. Oui, il a été frappé durement Par Kovalev. Et il avait déjà été ébranlé par le tir. Et là, c'est Bouillon qui ne peut garder le disque en territoire des Pingouins. 8 minutes 40 à faire à la période. Et Scuderi retourne péniblement au banc. Oui. Koivu derrière à Kostitsyn. Une rondelle qui sera repoussée vers Bouillon. Ryder est là ensuite derrière le filet. C'est repris par Koivu. Koivu à Hammerlick. À Koivu, à Higgins, pardon, le tir est bloqué. Et ensuite, c'est repris par Streit. Le tir de Streit va bondir dans le coin. C'est Higgins qui reprend. Belle feinte de Higgins. Toujours Higgins. Tente de surprendre Fleury. Le tir ne vient pas et il y aura pénalité au Pingouin. On a accroché. Et ce sera 5-2 dans les pénalités. Vous regardez le hockey des Canadiens au Réseau des Sports. Ben, quand vous gagnez les batailles un contre un, vous avez une bonne occasion de marquer ou vous créez la confusion chez l'adversaire. Christopher Higgins, dans le coin de la patinoire, regardez bien la feinte qu'il va faire devant Crosby. Oh! Et ensuite, il va s'approcher une autre devant Orpik et il va obtenir un tir sur le gardien de but Fleury. Mais pendant ce temps-là, Darryl Sedor commet une faute. Il est au banc des pénalités. Accrochage, deuxième jeu de puissance pour le Canadien ce soir. Mise en jeu gagnée par Plekanec. Streit passe à Kovalev. Kovalev à Plekanec. Le tir bloqué par Fleury. Voilà Kovalev qui reprend le long de l'avant. Kovalev, toujours. Passe précise à Streit. La sienne touche Armstrong. Il y a un tir ensuite de Markov en se retournant. Devient une passe à Kovalev. Kostitsyn fait dévier. Mais Colby Armstrong intercepte et rejette à l'autre bout. Marc-André Fleury a dit... Je me sens un peu plus calme avant l'affrontement de ce soir contre le Canadien. Je commence à avoir l'expérience. Et ça semble paraître dans son jeu, Yvon. Hein? Il semble beaucoup moins porté à se déplacer pour rien, comme on l'a déjà vu. Il est très, très solide, très bien posté devant son filet. Quelqu'un a posé la question à Michel Therrien ce matin. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec Fleury? Michel Therrien lui a dit, on a joué 2 matchs. Oui, évidemment. Oh, le tir de Plekanec, sans avertissement. Mais Fleury l'a fait dévier à sa droite. Voilà Kovalev qui reprend. Un beau pivot devant Orpik. Kovalev devant. Plekanec tire, c'est bloqué par Fleury. Streit à nouveau. À Plekanec. Une fin ou une passe entre les deux, Markov et Kovalev. Encore Plekanec, c'est le but! Partie supérieure du filet. Et pour ceux qui avaient vu des séquences en match préparatoire,
Il avait marqué un but de la sorte contre les Bruins de Boston. Pratiquement au cercle de mise en jeu, il va décocher un tir rapide. D'abord, sa passe avait raté Kovalev. Mais là, on va reprendre tout de suite la rondelle. Tir décoché sans avertissement. Le gardien arrive à temps, mais la rondelle va passer par-dessus son épaule gauche. Et Plekanec va marquer son premier but de la saison. Supériorité numérique, c'est l'égalité 1-1. Avec 6 minutes 53 à faire à la deuxième période. Premier de la saison de Plekanec qui en avait marqué 20 l'an dernier, dont 5 en supériorité numérique. Alors le jeu reprend. Crosby gagne la mise en jeu. Sidor passe à Recky. L'ouverture s'est refermée de Nondaran. Beau travail de Bégin. Là, c'est Sidor qui remet du côté droit à Scuderi. Un dégagement en zone du Canadien. Sortie de Price. Price remet à Hamerlik. Hamerlik qui a voulu remettre du côté gauche à Bégin, mais c'est raté. Darryl Sidor reprend dans son territoire. La longue passe de Sidor vers Armstrong. Armstrong freine devant Hamerlik. Chipchura s'empare de la rondelle devant Recky ensuite. Chipchura avec une passe molle vers Dandono. Crosby intervient, mais Chipchura s'est racheté par la suite. Et voilà Dandono en contre-attaque. Dandono veut remettre devant à Bégin, mais le disque était flottant et Bégin n'a pu compléter. Contre-attaque des Pingouins. Stahl tente une passe vers Malkin. Le disque revient à Stahl. Il choisit tout simplement de remettre en zone de Pittsburgh. 5 minutes 42 à faire. Stahl fait dévier le disque jusqu'à Price. Il rejette par la rampe et ça devient un jeu pour Kostopoulos qui perd le disque cependant avec le repli de Malkin. C'est pas un jeu où la rondelle se retrouve dans le territoire des Pingouins. Oui. Voilà un dégagement de Sikora. Price regarde ses options, repère Streit. La passe précise à Smolinski permet la relance de l'attaque à Kostopoulos. Kostopoulos vers Smolinski, mais il perd le disque. Oh, il a ensuite fait dévier lorsque Whitney a voulu dégager. Smolinski a été le premier surpris, j'en suis sûr. Et là, Kostopoulos s'amène. Voilà la tendresse maintenant. Sikora, lui, il va d'un dégagement qui redonnera le disque aux Canadiens avec 5 minutes à faire à la deuxième période. La tendresse à Kostopoulos. Tire de loin. Fleury fait l'arrêt et préfère provoquer l'arrêt du jeu. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS. Ah, une très belle vue d'une des trois rivières ici à Pittsburgh. C'est une très belle fenêtre pour vous parler du prochain match des Alouettes contre les Argonauts de Toronto en haute définition le 12 octobre à compter de 19h30. Je vois que vous êtes ravi, M. Pedneau, de savoir qu'Anthony Calvillo sera de retour l'an prochain. Chantal McCabe m'a posé la question ce soir au bulletin de nouvelles sportives. Elle a été tout simplement étonnée de mon enthousiasme. Et moi aussi. Voilà Ryder qui remet vers Higgins, mais il a été devancé par le défenseur Mark Eaton. Et là, c'est Malone qui remet vers Crosby. Crosby rejette derrière le filet. Hamerlik reprend à Koivu, mais une passe que n'attendait pas Higgins et un dégagement de Koivu au centre. Eaton remet derrière le filet. Price passe ensuite à Georges. J'ai vu le parfait exemple où Koivu est en mode défense en se débarrassant de la rondelle tout à l'heure. Oui. Plutôt que de la prendre et d'effectuer l'entrée de zone. Là, il a fait une belle passe à Ryder en territoire adverse. Ryder, qui est surveillé par Gunshar, remet à Higgins. Oh, Higgins perd le disque. Et voilà les Pingouins en contre-attaque avec Crosby. Derrière à Malone. Il s'avance. Le tir! Price était prêt. Le retour ira à Crosby. Crosby à la ligne bleue à Orpik. Il est rejoint par Higgins. Ce qui fait que la rondelle, bondissante, sera récupérée par Georges. Et voilà Ryder en zone adverse. Ryder, toujours. Tire du revers, mais c'est bloqué par Orpik, qui a fait un beau repli contre Ryder. Et là, Kostitin fend l'air. Komisarek s'avance. Tire! Fleury fait l'arrêt. Et il a été surpris. Il faut dire qu'il y avait pas mal de mouvements devant son filet. Et Crosby lui rejette d'une main vers Armstrong. Retournera au banc de son équipe. Beau repli de Komisarek aux dépens d'Armstrong. Il y avait blessé quelques joueurs l'an dernier. Voilà Plekanec. Il revient sur ses pas. Oh, il a rondelle directement sur le bâton d'Armstrong. Là, il apercevait Kovalev, l'invitation était grande.
qui dispute tout un match. Oh, et là, Kovalev vient de recevoir la passe, un contre un. S'avance, tire et le but! Et t'as vu de quelle façon Plekanec mentionnait qu'il disputait un excellent match pour le Canadien, autant dans les trois zones. Et là, il aperçoit Kovalev parce que les Pingouins se dirigeaient vers le territoire du Canadien. Un revirement qui est effectué. Et la passe directement par la clôture sur le bâton de Kovalev. Kovalev regarde du côté de Kotitin. Il va opter pour un tir et je pense que Fleury a été surpris. Fleury s'attendait peut-être à ce que Kovalev passe sa rondelle de l'autre côté à Kotitin. Il y avait une petite ouverture du côté du bâton et le Canadien 22-1. Vous avez vu de quelle façon Kovalev s'était placé en réception de passe sur le jeu de Plekanec, la relance de l'attaque, et ça produit un but. 2 minutes 50 à faire à la deuxième période. Bouillon passe à Dandeneau. Il fait dévier le disque un peu plus loin vers Bégin, mais c'est raté. Bouillon reprend et passe ensuite à Streit. Fleury garde le disque derrière son filet. Le gardien tente une passe qui finalement va dévier deux fois. Et Malkin, lui, est rejoint. Beau repli de Chipchura. Et Streit passe aussitôt à Bégin. La passe à Dandeneau. Voilà son tir! Fleury était prêt et le retour ira à Scuderi. Georges qui accélère devant Sikora. Il sentait la présence de Sikora. Semblait avoir été intimidé par la rondelle. Et là, Price vient sauver son jeune défenseur qui en arrache ce soir. C'est une chance qu'il a de jouer. On l'a vu souvent redonner la rondelle. Il est en train de la louper. Yvon, il y a certainement d'anciens joueurs du Canadien qui nous regardent ce soir. Et j'aimerais particulièrement saluer notre bon ami Gilles Tremblay, qui participait le 11 octobre 1967 au premier match des Penguins de Pittsburgh dans cette expansion à 6 équipes. Oui. Le Canadien qui, dont vous voyez la liste ici, bien, Yvan Cournoyer était en uniforme. Enfin, Robert Rousseau, Henri Richard. Carole Vadnais, qu'on salue également, à qui on souhaite bonne chance. Et Jean Béliveau, lors de ce match, avait marqué le 400e but de sa carrière. Exact. Et Gilles, le but de la victoire. Ben, bonsoir, Gilles. On le salue d'ailleurs. Exact. Enfin, il y a tous les anciens du Canadien qui étaient à ce match et qui nous regardent. La rondelle qui revient au centre et Smolinski passe vers Kostopoulos. Talbot tente de le freiner et l'amène vers le sol. Et Georges va reprendre. Georges avec un tir qui rate de peu à la droite de Fleury. Le retour va à Hammerlich. Son tir à lui dévie. Talbot intercepte devant la Candresse. Intervention de Smolinski cependant qui maintient la pression en territoire des Pingouins. Hammerlich remet dans le coin. Le disque revient vers la ligne bleue, mais Komisarek ne peut le saisir à temps. Et ce sera rejeté à l'autre bout. Nous en sommes à la dernière minute de cette deuxième période. Il y a une rondelle qui dévie dans le coin. Higgins est devancé par Whitney. Orpik en contre-attaque. La passe au centre à Crosby, la sienne vers Recky. Derrière le filet, c'est Price qui laisse la rondelle à Koivu. Confusion entre les deux! Et là, Price qui revient saisir la rondelle. Crosby n'en revient pas. Il faut dire que Komisarek était venu également pour fermer en partie l'ouverture. Confusion entre les deux. Là. Price était certain que Koivu était en possession de la rondelle. Vous voyez, il prend un certain temps avant de s'en aller à son filet. Pendant que Komisarek s'occupait de Malone. Et lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a bévue, maladresse, Crosby à l'embouchure du filet. Voyez la réaction de Komisarek tout de suite avec son bâton. On va empêcher Crosby de créer l'égalité. Alors, 40 secondes, 4 dixièmes à la période. Chipchura devant Crosby. Devant Malone, tire, mais Komisarek était là. Touche au disque qui va finalement aboutir sur le filet protecteur. Et Malone, qu'on utilise avec Crosby et Recky, on veut qu'il soit très actif le long des clôtures. C'est un joueur de 6 pieds 2 pouces, mais il a tendance à être un tout petit peu paresseux. Alors, ça s'est produit très souvent qu'il est au cœur de différentes rumeurs de transactions. Mais on veut lui donner vraiment la chance de s'épanouir aux côtés de Recky et de Crosby. Chipchura qui intervient. Le dégagement est raté cependant, mais ce sera repris par Chipchura. On passe à Dandeneau. Dandeneau vers Chipchura. Chipchura remet vers Dandeneau. Voilà son tir, c'est dévié par le défenseur Sedor. Celui de Markov est bloqué. Encore Markov. Et là, l'angle était bien mince. Il rate la cible. Et c'est ainsi que se termine cette période.
Alors, finalement, on aura profité de part et d'autre des jeux de puissance, en partie. Ben, le Canadien a concédé le premier but aux Pingouins, mais Kovalev et Plekanec ont disputé une excellente deuxième période. Ils ont vraiment donné le ton en attaque. Ils ont marqué tout d'abord en supériorité numérique le but de Plekanec et ensuite, beau jeu de Plekanec en direction de Kovalev. Et dans le cas de Price, il a été vraiment malchanceux sur le but marqué contre lui parce que l'arbitre aurait pu décréter qu'on l'a empêché d'accomplir son travail librement comme le stipule le règlement. Ça avait été un autre joueur que Crosby. Peut-être qu'on aurait dit... Hein? Peut-être. Mais en... Alors, on est prêt à reprendre en troisième période. Au départ, Koivu devant Crosby. Koivu qui fait dévier ensuite en territoire des Pingouins. C'est repris par Eaton. Il est rejoint par Ryder. Fait une chute sur le bâton de Ryder. Ça fait dire « oh » à M. Pedlo. 3-2 maintenant la contre-attaque des Pingouins. Crosby s'avance, tire beaucoup trop haut. Oh, Crosby qui donne violemment ensuite contre la baie vitrée. Ça ne semble pas avoir trop été ébranlé. Voilà Higgins qui reprend, mais perd le disque. Oh, et Crosby, oui, retourne au banc, Yvon. Alors, je ne sais pas si on rappelait le trio de toute façon. Higgins remet à Markov et à Komisarek. À Higgins et un dégagement qui a touché un joueur au banc des Pingouins. C'est pourquoi on entend le sifflet et le jeu sera rappelé. Troisième période est une présentation de Dodge. Mordez dans la vie. Alors, Crosby est au banc de son équipe. Comme Pierre l'a précisé, on a effectué un changement. Est-ce qu'il y a eu un bris d'équipement aussi? On a vu que le préposé à l'équipement regardait son patin. Et là, ici, c'est le plongeon de la part de Komisarek pour empêcher Crosby d'obtenir un tir de qualité. Il ajoute par la suite. Malkin avec Georges. La rondelle est libre. C'est Sikora qui tente une passe. Georges repousse avec le gant. Sedor s'avance rapidement pour appuyer l'attaque. Une passe directement sur le bâton de Guillaume Latendresse. Latendresse vers Smolinski. Smolinski revient sur ses pas. Remet de l'autre côté. Voilà le tir de Latendresse. Fleury fait l'arrêt, un peu malgré lui. Perd son casque ensuite. Et le jeu s'arrête. Bonne séquence. Certainement la meilleure chance du trio de Smolinski ce soir. Et c'était le premier tir cette saison de Guillaume Latendresse. Un tir haut qui a donné passablement de difficultés à Fleury, surtout avec la présence de Kostopoulos, qui était tout près, lui, avec surveillé par le défenseur Sedor. Très bon lancer de la part de Latendresse. Donc, Plekanec de retour avec Kovalev et Kostitin devant Maxime Talbot. C'est gagné par Talbot et Ryan Whitney reprend. Passe à Roberts et ensuite à Armstrong. À Roberts. Un dégagement que Price va cueillir derrière son filet. Price remet à Streit. Et aussitôt, la passe à Plekanec. Il est rejoint par Talbot, mais Kovalev réussit un tir jusqu'à Fleury. Il remet derrière à Ryan Whitney. Il est gêné par Kostitin, mais réussit à passer à Orpik. Orpik qui remet à nouveau à Whitney. Whitney perd le disque, réussit à le remettre à Talbot, mais interception de Plekanec. Vers la rampe, Plekanec s'avance, Armstrong fait une chute. Voilà ensuite un tir de Bouillon, c'est capté par Marc-André Fleury. Et on n'ira pas plus loin. Francis Bouillon qui a joué un bon match, Yvon, ce soir et qui a dû excellent match. Être utilisé beaucoup en infériorité parce que Komisarek est allé au banc deux fois, entre autres. Et là, cette attaque a été orchestrée un peu par le gardien Price. Rappelez-vous que la rondelle était dans le territoire du Canadien. Et vous le voyez, il va sortir, aperçoit personne, contrôle la rondelle, remet tout de suite du côté de Streit. Et Streit, lui, rapidement, va relancer l'attaque. Très belle passe et le Canadien s'est amené dans le territoire des Pingouins. Après deux périodes, Francis Bouillon a été le deuxième joueur le plus utilisé par Guy Carbonneau. 15 minutes, 1 seconde et 3 minutes 48 en infériorité. Avec Hammerlick. Oui. Hammerlick, 4 minutes, je pense. Hammerlick en infériorité, 4 minutes 33. Hammerlick est gêné un peu par l'arbitre. Et finalement, rejoint Georges. C'est vraiment laborieux pour Georges ce soir. C'est une soirée très difficile. Là, Bégin qui réussit à bloquer la passe et Scuderi devra reculer dans son territoire. Et pourtant, Georges, ben, évidemment, comme tu dis souvent, ils vont des matchs pré-saison, c'est un autre monde complètement. Il avait été absolument remarquable. Tu te rappelles le premier match contre les Pingouins en pré-saison. Oui. Mais bon. Et t'as l'occasion de jouer avec Roman Hammerlick qui, lui,
était un peu à l'origine des succès de Dion Phaneuf à ses débuts dans la Ligue. 15 points en 9 matchs donc pour Sidney Crosby contre le Canadien en carrière. Il a obtenu mention d'assistance ce soir. 71% d'efficacité pour Crosby sur les mises en jeu. 4 points en 3 matchs cette saison pour Andrei Markov. Oh, et Markov qui marque! Alors qu'il y avait beaucoup de pression devant le filet de Marc-André Fleury, au moment où j'en parlais, bang, 3-1, et toute une frappe. Alors, revoyons tout d'abord la mise en jeu gagnée facilement par Crosby. Bonne réaction de la part de Ryder. Ryder effectue un tir, et ensuite Markov, qui avait quitté sa position de défenseur. Belle lecture du jeu. Vous le voyez déjà, il est en course vers le cercle de mise en jeu, va capter la rondelle et va tirer pratiquement dans un filet désert. Beau travail de Ryder sur la mise en jeu. Là, il va chercher à effectuer un tir. C'est bloqué. Et par la suite, Markov va s'amener pour compléter la manœuvre et c'est 3-1. Alors, un but, une passe pour Markov ce soir. Ça lui fait 2 buts, 3 passes, 5 points depuis le début de la saison. Malkin, surveillé par Komisarek. Markov avec un dégagement qui va passer derrière Crosby et derrière Higgins également. Higgins s'amène en échec avant aux dépens de Gonchar. Voilà Recky à la ligne bleue. La passe au centre vers Crosby. Alors Ryder, évidemment, et Koivu obtiennent des mentions d'assistance. Ce sont eux qui sont à l'origine du but de Markov qui s'amène en territoire des Pingouins. Markov, belle passe! Higgins tire! C'est bloqué par Fleury. Higgins a eu de bonnes chances encore ce soir. Voilà Recky. Il remet dans le coin. Malkin s'amène. Streit est là le premier cependant. Streit à qui on a décerné une mention d'assistance. Oui, le but! Devant le filet, Maxime Talbot qui était prêt. Belle passe de Malkin. C'est 3-2. Et Recky qui était pourchassé par Smolinski. Et là, on avait complètement oublié Malkin derrière le filet. Vous voyez, là, Recky qui remet derrière. Celui là, qui était, devrait assurer la couverture de Malkin n'était pas là. Et finalement, les Pingouins vont réduire l'écart à un seul but. Beau jeu de la part de Malkin. Regardez bien la passe directement sur le bâton de Maxime Talbot qu'on avait utilisé avec Malkin. Et c'est maintenant 3-2. Alors, c'est son premier de la saison, Maxime Talbot, qui réduit l'écart. Voilà la tendresse en contre-attaque. La passe devant! Bel arrêt de Fleury! Tout un arrêt au dépens de Brian Smolinski. Et le trio de Smolinski a bien failli racheter l'erreur commise en défensive. Et là, c'est Guillaume Latendresse qui s'amène sur le flanc gauche, effectue une passe dans l'enclave où était placé Smolinski, qui rapidement va diriger la rondelle vers Fleury. Et le gardien des Pingouins effectue un bel arrêt. Alors, 28 tirs par le Canadien, 22 par les Pingouins. Les Canets gagnent la mise en jeu. Streit repousse le disque dans le coin. Orpik est là. Orpik est rejoint par Kovalev qui lui enlève le disque. Remet à Kostitin, à Kovalev. Une feinte. Orpik réussit cependant à lui ravir la rondelle. Streit rapidement va reprendre dans son territoire. Alors, j'allais dire que quand les Pingouins ont marqué, on a ajouté une mention d'assistance à Streit sur le premier but du Canadien, celui de Plekanec. Fleury remet à Orpik. Orpik passe dangereuse et Plekanec intervient, réussit à remettre à Kostitin. Kostitin avec une passe vers la ligne bleue, mais Hamerlik jouait en repli et n'a pu maintenir cette rondelle en zone des Pingouins. Hamerlik repoussé derrière le filet. On apportera des changements du côté de Pittsburgh. Kostitin à Koivu qui tire dans le coin. Le premier au disque est Eaton. Au centre, Koivu qui a remis dans son territoire à Georges et ensuite à Hamerlik. Il rejette à l'autre bout. Sortie de Fleury. Koivu intercepte. Koivu veut faire une passe devant. C'est raté par Ryder. Et voilà un tir de la ligne bleue de Georges qui rate la cible. Higgins dans le coin, toujours avec la rondelle. Le voilà derrière Fleury. Oh, il tente une passe pour Koivu, mais c'est bloqué. Et là, Ryder empêche la sortie des Pingouins. Et Eaton, il va d'une passe vers Roberts, qui fait tout simplement dévier à l'autre bout. Hamerlik relance l'attaque. Voilà son tir. Fleury fait l'arrêt. Le retour ira à Chipchura. Chipchura à Higgins.
Higgins avec une feinte, toujours avec le disque. Oh, et tout un arrêt de Fleury. Il a même regardé un peu derrière lui. Encore une fois, Higgins à l'origine d'un beau jeu. Mais ce soir, contre lui, c'est Fleury qui a le dernier mot. Bon, on apportait des changements chez le Canadien. Koivu était déjà rendu au banc, remplacé par Chip Shura. Mais Higgins et Ryder étaient toujours sur la patinoire. Et on a poursuivi l'attaque. Beau travail encore une fois de Higgins. Situation 1 contre 1 face à Crosby. Et Chip Shura va s'amener incapable de déjouer le gardien. C'était le 30e tir du Canadien. Les Pingouins en contre-attaque. La rondelle va bondir dans le coin. Malkin. Il a réussi à remettre un peu plus loin à Crosby. Voilà Sedor qui remet à l'autre bout. Price à Markov. Vers Komisarek, il perd la rondelle. Recky s'en empare. Et là, finalement, le disque sautillant ira jusqu'à Scuderi. Voilà Markov. C'est bloqué par Malkin. Et en contre-attaque, c'est Chipchura qui reprend. Remet à Dandonneau. Qui se contente d'un dégagement. Ça permettra à Guy Carbonneau de revenir avec 5 nouveaux joueurs sur la patinoire. Il ne restera que Bégin en échec avant. Et il retourne au banc de son équipe. Attention à Malone. Il a contourné Streit. Streit le rejoint derrière le filet. Malone toujours avec le disque. Le laisse à Ouellet. Une passe vers le devant du filet pour Malkin. C'est raté. Et là, c'est Streit qui relance l'attaque. Passe dans les patins cependant de Smolinski. Et les Pingouins reprennent. Hall fait des vies à l'autre bout. Streit réussit à rejoindre Bouillon. Bouillon avec une passe vers le centre. C'est intercepté par les Pingouins. Ryan Malone joue de façon beaucoup plus inspirée ce soir. On le voit souvent dans les situations de jeu. Voilà Kostopoulos qui a tenté un jeu par la rampe pour lui-même. Mais il a rencontré Gonchar sur sa route. Voilà Plekanec devant Eaton. Lui fait dos. Réussit cette passe à la ligne bleue. Georges, il tire devant le filet. Le retour est raté par Kostitin. Voilà Georges à nouveau. Il remet devant. Fleury fait des vies à sa gauche. Kostitin reprend. Remet à Hamerlik, dont la passe est touchée par Malone, qui se met en marche. Et il y a eu un très beau repli de Georges pour l'empêcher d'aller plus loin. Voilà Stahl qui s'amène en contre-attaque. Derrière, le tir, c'est bloqué. Sekora reprend. Le retour. Sekora jusqu'à la ligne bleue avec une passe qui va dévier jusqu'à Whitney. Whitney remet derrière le filet. Hamerlik est là. Passe à Kovalev. Kovalev à Plekanec. À Kostitin qui s'amène en territoire des Pingouins. Il est seul. Choisit un tir. C'est bloqué. S'empare du retour dans le coin. Plaqué durement par Gary Roberts. Avec les poings levés devant l'arbitre. Ouais, il a été vraiment ébranlé. Je me demande également si Roberts n'avait pas un bâton au-dessus de la hauteur des épaules. Alors, on verra après cette pause. Ben, tiens, revoyons tout de suite. Bon, regarde le bâton de... Ah, c'est ça, celui d'On Pick, mais le bâton de Roberts était élevé également. Oh, les Pingouins sont chanceux. Oui, alors vous regardez le hockey des Canadiens à RDS. Alors nous sommes de retour. Le jeu se poursuit avec 11 minutes 35 à faire à la troisième période. Montréal 3, Pittsburgh 2. Une foule qui était bien tranquille et même très silencieuse vient soudainement de se réveiller avec le deuxième but des Pingouins et la mise en échec de Roberts qu'on reverra d'ailleurs dès maintenant puisque le jeu s'arrête. Alors, est-ce qu'il y avait matière à pénalité ou non? À vous de juger sur la séquence. Alors, surveillez bien dans le coin de la patinoire. Orpik dans un premier temps. Roberts, bâton élevé. Là, tu dois absolument imposer une pénalité pour bâton élevé. Et il s'était donné quand même une bonne poussée, Roberts. Il est chanceux de voir son total demeurer à 2493 minutes de pénalité parmi les trois joueurs actifs avec 400 buts et plus de 2000 minutes de pénalité. Vraiment un phénomène incroyable. C'est Maxime Talbot qui nous en parlait, Yvon. Il s'est dit impressionné par la forme de certains vétérans, mais il a dit « Roberts, c'est vraiment un phénomène, rien de moins ». Au Chipchura qui s'avance, mais perd la rondelle. Et les Pingouins en contre-attaque. Voilà Crosby. La passe à Malkin.
Bon repli cependant de la part de Komisarek qui a touché à la rondelle sur le tir. Elle est allée sur le filet protecteur et le jeu s'arrête. Alors nos trois prochains matchs, bien, cet affrontement Caroline-Ottawa s'annonce intéressant demain. Oui, certainement. Alors le match à 19h30 et ensuite on reverra les Hurricanes au Centre Bell, ouverture de la saison locale pour le Canadien samedi donc à 18h30 et les Panthers de la Floride seront de passage au Centre Bell mardi 16 octobre à 19h. Émission d'avant-match. Oui, les Panthers qui affrontent le Lightning ce soir. Higgins rejette la rondelle en territoire des Pingouins. Fleurie a remis dans le coin. Voilà Talbot qui saisit. Talbot, pour lui-même, réussit à contourner Streit qui a perdu un peu d'équilibre. Armstrong, lui, est rejoint par Bouillon. Dong, la rondelle, cependant, était d'abord maintenue par Armstrong, mais ensuite Bouillon à la reprise et a réussi à rejoindre la tendresse. Il rejette à la ligne bleue des Pingouins. Voilà Armstrong, surveillé par Streit. Remet derrière le filet. La tendresse est là. Réussit à enlever la rondelle à Talbot. Sauf que le dégagement est plus ou moins réussi. Là, Streit va reprendre et remet à Bouillon. Bouillon avec un dégagement. Mais en fait, c'était une passe en lob vers Plekanec. La tendresse avait devancé le disque en territoire des Pingouins. Et le jeu s'arrête. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS. Yvon, il y a 44% de nos répondants qui donnent le Hart Trust à Sidney Crosby cette saison, mais quand même 37% à Danny Hitley. Oui. Et au rythme où vont les sénateurs, c'est peut-être pas farfelu de voir Hitley, en tout cas, batailler jusqu'à la fin. Alors merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à la question Dodge de ce soir. 9 minutes 45 à faire à la troisième période. 3-2 Montréal. Le disque est libre au centre. C'est dévié sur le patin de Malkin. Komisarek remet à Kovalev. Alors Kovalev qui, en voulant faire une passe, donne le disque à Crosby. Voilà Rickey avec une feinte. Contre le filet. Il y a une ouverture, mais ça s'est refermé par la suite. Là, Kovalev revient derrière le filet. La passe va de Malkin à Whitney. À Malkin qui fait cadeau du disque à son tour à Kovalev. Et Whitney ne peut empêcher Kostitin de quitter son territoire. Alors pas de blessure trop sérieuse dans le cas de Kostitin. Et voilà Crosby en contre-attaque. Crosby, longue passe à Malkin. Malkin vers Whitney. Mais c'est intercepté par Kovalev ensuite. Qui se contente d'un dégagement qui devient une passe à Bégin. Et son tir du revers est bloqué par Fleury. Il n'y avait personne pour prendre le retour. Sauf que la sortie est annulée par Dandonneau. Et là, Whitney fait une longue présence sur la patinoire, coincé dans son territoire. Chipchura à Bégin, le tir, c'est capté par Fleury. Et il n'y aura pas de retour là-dessus. 23 les tirs. Les changements seront très importants parce que là, Michel Therrien, en déficit d'un seul but, a complètement modifié ses lignes d'attaque. Il a placé Malkin avec Rickey et également Crosby. On peut s'assurer qu'il va faire jouer ces joueurs-là au moins à tous les deux séquences. Alors, pour Guy Carbonneau, très important de pouvoir effectuer les changements qui s'imposent. Oh, la belle passe de Higgins à Koivu, mais le tir a touché l'extérieur du filet. Encore Higgins qui travaille bien le long de la rampe. Et derrière le filet, c'est Gonchar. Il remet plus loin. Hammerlé qui intervient, mais trop tard. Et Koivu va cueillir la rondelle dans son territoire. 8 minutes 20 à faire. Koivu à Ryder. Ryder avec un dégagement. Il visait Higgins. Gonchar est là le premier. Eaton a remis à Roberts qui a fait une belle passe à Stahl. Roberts à nouveau vers Gonchar cette fois. Le tir qui rate à la droite de Price. Et le retour ira à Ryder. Alors les trois joueurs d'avant du trio de Koivu sont là. Higgins tire, c'est bloqué par Fleury. Il connaît tout un match Higgins. Mais n'est pas à la feuille de pointage. On apporte des changements chez le Canadien. Et la rondelle va à Darryl Sidor. Le vétéran Sidor qui dispute un 1100e match ce soir. Tente une passe vers Armstrong, mais le disque a dévié de l'autre côté. On devra reprendre avec 7 minutes 34 à faire. Alors qu'on aperçoit Colby Armstrong, celui qui avait frappé d'ailleurs durement Saku Koivu, rappelle-toi l'an dernier. Oui. Mais là, on va voir la séquence. Et surveillez bien Higgins. Il va s'amener avec la rondelle pour chasser par Robert. Se fait plaquer durement contre la clôture par la suite. Et je pense qu'il a été touché au genou droit. Il a eu beaucoup de difficultés à se rendre au bas de son équipe. Kostopoulos
bousculé au centre par Malone. Et voilà Armstrong qui reprend. À Malone. Il tente une passe vers le devant du filet. Hammerley qui était là. Et Talbot encore qui va d'un tir. Pas commode, mais Price était prêt. Talbot est celui qui a marqué le deuxième but des Pingouins. Bien placé. Là, on va l'utiliser. On sait qu'on l'utilise habituellement dans des missions défensives. Mais là, on l'emploie avec Malone et Armstrong. Et là, avec mise en jeu dans le territoire du Canadien, on va revenir du côté des Pingouins avec vous savez qui. Alors, vous savez qui gagne la mise en jeu. Et c'est Komisarek qui va reprendre derrière le filet. Oh, le disque a été maintenu, mais pas pour très longtemps. Dandono a fait son travail aux dépens de Sedor. Oh, attention à Malkin, mais hors jeu. Oui. Et on devra reprendre. Oui, tu as parlé d'Armstrong. Il avait blessé Trevor Letalski avec une mise en échec violente. À qui il avait frappé également? Est-ce que c'était contre Ottawa? Oui, contre Ottawa. C'est Patrick Eaves. Oui, si je ne m'abuse, contre Ottawa. Oh. Mais contre Koivu. Il s'en était tiré. Ça ressemblait à ce que Steve Downey a fait à Dean McCammon. Parce qu'au moment où il avait eu contact avec Koivu, ses deux patins ne touchaient pas à la surface de jeu. Oui. Ça s'est passé au même endroit exactement que lorsque Downey a frappé McCammon. Oh, voilà un tir bloqué par Price. Il a vu tout ça et Scuderi vient de faire l'arrêt. Alors, ben justement, on vous parlait de ces trois contacts. Les voilà. Letarski, bye! Ouch. Coup par derrière. Dans le cas de Koivu, surveillez bien les deux patins d'Armstrong. Voilà. Et rappelez-vous l'incident de Downey, on peut dire. Et ensuite, contre Patrick Eaves, bye! Mais dans le cas de Koivu, il n'y avait pas eu de pénalité. Non. Et dans le cas de Patrick Eaves, c'est en série, ça. Oui, tout à fait. Tout juste devant nous. Notre position de commentateur était à l'inverse. 6 minutes 35 à faire à la troisième. Les Canets. Il a remis à Smolinski. Alors, Guy Carbonneau également, Yvon, va modifier un peu son approche. Smolinski s'ajoute là au trio de Les Canets et Kovalev. Et voilà Hammerley pourchassé par Sikora. Oh, Georges qui rate son dégagement et Sikora va reprendre. Sikora toujours dans le coin du côté de Georges. Et finalement, la rondelle sera harponnée à l'autre bout. Et là, il a été tenace. Georges, finalement, il a gagné sa bataille avec Sikora. Brooks Orpik transporte le disque, remet vers Malone. Un dégagement derrière le filet. Price laisse la rondelle à Markov. Le dégagement a touché Stahl au passage, mais Smolinski reprend et sans trop de dentelle rejette en territoire des Pingouins. Kovalev poursuit son échec avant. Et voilà Gonchar qui récupère la rondelle. Longue passe, bien anticipée par Markov qui intercepte et qui rejette du côté de Higgins. Higgins vient bousculer Gonchar. Ryder reprend, veut remettre à Higgins. Gonchar est là devant lui. Higgins revient vers lui. Coup de bâton qui aurait pu lui donner un 2 minutes. Ouais. Quand tu laisses passer une infraction comme celle de Robert tout à l'heure, t'es un peu plus généreux de l'autre côté. Bon. Et là, bon, on entend le sifflet, le jeu s'arrête. 5 minutes 14 à faire. Vous regardez le hockey des Canadiens à RDS. Les Redskins, donc, à bien se tenir. Contre vos Packers. Oh. Les Patriots contre les Cowboys. Ah, ça, c'est tout un match également. Et les Steelers connaissent une bonne saison. Voici leur entraîneur. Mike Tomlin, oui, très bonne saison. Il y a eu ce petit erreur de parcours en Arizona. Oui. Ah, effectivement. Mais les Cardinals, avec le bon vieux Kurt Warner, sont en feu. Mike Tomlin. Oui. La rondelle qui est rejetée en territoire du Canadien avec 5 minutes 2 secondes à faire à la période. Voilà Malkin. Oh, une passe qui va dévier devant le filet. Le revers au Price a aperçu la rondelle à la toute dernière seconde et réussi à faire l'arrêt sur le revers de Sidney Crosby. Quelques revirements dans le territoire du Canadien. Finalement, la rondelle va apparaître tout près du gardien. Et là, en se tournant, Sidney Crosby va opter pour un tir du revers. Et comme Pierre l'a précisé, le gardien Price aperçoit la rondelle à la dernière seconde. Voyez, il regarde à sa gauche. La rondelle arrive à droite. Pendant ce temps-là, Malkin lui a été bousculé devant le filet. La Stahl qui remet à Gonchar. Le tir à la droite du filet. Il
bon, j'ai dit Tim Lynn. Je pensais à l'ancien lanceur. C'est bien Tom Lynn. Tom Lynn. Tu veux un Tim Lynn? Tellement comme lanceur. Alors, c'est assez proche de toute façon. 4 minutes 35. Hall fait dévier le disque en territoire adverse. Et là, c'est repris par Hammerlick. Voilà Bouillon qui reprend. Dégagement le long de la rampe jusqu'à Hagen. Il est plaqué, mais réussit à rejeter la rondelle en territoire des Pingouins. Alors Higgins qui reste sur la patinoire en échec avant. Et là, c'est Pécanets qui s'amène avec Kovalev. Derrière le filet, Jordan Stahl rejoint par Hammerlick. Dans le coin, Kovalev fait une chute qui permet à Sikora de reprendre, mais Kovalev intercepte. Et voilà une remise vers Hammerlick. Whitney s'est avancé pour lui barrer la route. Hammerlick réussit malgré tout son dégagement. La rondelle revient vers Plekanets. Plekanets est rejoint par Malkin. Une passe arrière que Stahl n'attendait pas. Il réussit néanmoins à remettre au moins en territoire du Canadien. Intervention d'Hammerlick et un dégagement de Plekanets. Whitney à Orpik. Price rate la rondelle derrière son filet. Voilà Roberts qui remet à Whitney. Whitney jusqu'à Malkin. Finalement, c'est Crosby qui a la rondelle et sa passe est ratée de justesse par Roberts. Toute une mise en scène de Crosby. Intervention de Komisarek devant Roberts. Orpik à la ligne bleue. Tire! L'arrêt de Price! Oh, il y a un autre sur le retour! Et voilà Plekanec qui rejette à l'autre bout. Il reste 3 minutes à faire à la troisième période. Dandenault travaille bien en échec avant. D'abord aux dépens de Crosby, ensuite aux dépens d'Orpik. Bonne présence pour Dandenault. Et Whitney, finalement, rejoint Crosby. Crosby, du revers à Malone. Et devant le filet, encore une fois, Price qui intervient. Cette fois, aux dépens de Colby Armstrong. Voilà Cedor qui rejette dans le coin pour Crosby. Bouillon lui a barré la route cependant. Et la rondelle sera repoussée par Bégin en territoire des Pingouins. Donchard laisse le disque derrière à Cedor. Longue passe de Cedor à Ouellet, à Malone. Il a été retenu par Smolinski. Et là, un tir qui va dévier derrière le filet. Komisarek remet le long de la rampe. Et Cedor ne peut empêcher le dégagement. Et avec 2 minutes à faire, on va utiliser Smolinski avec Higgins et Koivu. Par mesure défensive. Smolinski intercepte. On la passe vers Higgins. Dévié devant le filet par Gonchar. Smolinski reprend. Cette fois, c'est Ouellet qui le gêne. La passe quand même à Koivu. Koivu, plaqué par Cedor. Voilà Higgins qui récupère. Higgins, dans le coin, travaille bien devant Ouellet. Toujours avec le disque. Et il n'y aura pas de tir finalement. Komisarek intercepte. Il remet à l'arrière du filet. Tout ça avec 1 minute 35 à faire. Et là, tu as des joueurs épuisés qui retournent au banc. Il faudra se méfier quand même d'apporter les changements au bon moment. Intervention de Orpik à Sikora. Passe avec la main. Et on devra quitter le territoire du Canadien pour la mise en jeu. Mais Kovalev, lui, était dans une situation inconfortable. Alors, qu'est-ce qui s'est produit le long de la clôture? C'est qu'il a tout simplement cherché à pousser la rondelle très haute. Ça a été intercepté par le défenseur, mais il y avait tellement de pression qu'il était incapable de pouvoir maîtriser la rondelle avec son bâton. Et c'est la raison pour laquelle on va procéder à une mise en jeu en territoire neutre. Et par étourdissement, j'ai dit Maxime Ouellet au lieu de Maxime Talbot, ou pensant à Michel Ouellet qui était ici l'an dernier. Qui est maintenant à Tampa. Qui est maintenant à Tampa et qui a participé au pointage ce soir. En fait, Ouellet a participé au pointage et Maxime Talbot aussi. Il a marqué le deuxième but, 1 minute 15. Et la rondelle est rejetée en territoire des Pingouins. On va surveiller, bien sûr, Marc-André Fleury. Fleury qui s'avance, regarde vers le banc de son équipe. La rondelle est rejetée derrière le filet. Komisarek aura son dégagement. Mais Markov intervient et le sien sera plus ou moins réussi, en fait, dans la mesure où Orpik a perdu le disque devant Kovalev. Et voilà la contre-attaque de Malkin. Malkin qui veut se faufiler. Komisarek lui a fait sauter les patins. Et là, on va réclamer une pénalité. On dit non.
Et on devrait, en principe, reprendre en territoire neutre si c'est un joueur des Pingouins qui a fait déplacer le filet. Et c'est ce que l'arbitre signalait, Yvon. Alors, on va aller à l'extérieur pour la mise en jeu. Voyons voir, y avait-il matière à pénalité? Non, il a touché à la rondelle. Beau jeu de la part de Komisarek. Bon synchronisme de sa part. On voit que Malkin va profiter du fait qu'il y a une ouverture entre Komisarek et Markov. Mais Komisarek, avec sa très longue portée, bon pivot, touche à la rondelle en premier lieu. Et dans sa chute, Malkin va venir en contact avec le gardien. Et c'est la raison pour laquelle on va procéder à une mise en jeu en territoire central. Il y a un temps d'arrêt demandé par les Pingouins, je pense. Alors, le premier critère et le critère le plus important utilisé par les arbitres, est-ce que le joueur qui plonge touche d'abord au disque. Si c'est le cas, il aura l'immunité absolue dans toutes les circonstances, en autant que l'arbitre voit bien ce qui s'est passé. 47,7 secondes. Et ce jeune homme, jusqu'à maintenant, Carey Price, a reçu 28 tirs des Pingouins. Et en première période, il a vraiment été sollicité à garder le Canadien dans le match. Alors, avec une mise en jeu en territoire neutre, c'est quand même un peu de répit pour le Canadien. Et Koivu a gagné la mise en jeu. Higgins a voulu s'emparer de la rondelle, mais n'a pas réussi à le faire. Et les Pingouins organisent l'attaque. Voilà, un tir de Recchi, c'est bloqué. Et c'est Smolinski qui a la rondelle. Smolinski remet vers Higgins, très généreux et un peu trop. Et c'est un dégagement refusé. Smolinski doit faire preuve de patience. Un vétéran comme lui, en possession de la rondelle, zone neutre. Il va chercher à faire une passe, une longue passe, il va complètement rater. On voit du côté des Pingouins la pression à quatre joueurs. Là, il est en possession de la rondelle. Il doit faire une passe du côté de Higgins ou chercher à ou contrôler la rondelle. Mauvaise passe, il reprend la gauche de Price. Oh, et voilà. Malkin qui a la rondelle après la mise en jeu. Remet à Whitney, à Gonchar. Le tir bloqué par Higgins. Dégagement annulé par Gonchar. Higgins reprend. Gonchar empêche la sortie. Toute une présence de Gonchar. Et là, Markov fait tout un plongeon devant Malkin. Voilà une rondelle qui revient à Sikora. C'est perdu. Koivu rejette à l'autre bout. Et le Canadien l'emporte 3-2 à Pittsburgh contre les Pingouins. Et va inscrire 5 points en banque au cours des 3 premiers matchs. Ce qui va un peu à l'envers de ce qu'on attendait, là, ce qu'on entendait à droite et à gauche comme prévision de départ pour le Canadien. Parce qu'on va retenir de Carey Price à sa première sortie dans la Ligue nationale, c'est qu'il aura poursuivi cette tradition de Dryden et Roy. Également, on aperçoit celui qui a marqué le but de la victoire. Et dans le cas de Price, il a été excellent, fait preuve de beaucoup de calme dans les situations où il y avait circulation dense devant son filet. Et également, on va ajouter à son dossier ses solides sorties, les passes habiles qu'il a effectuées à ses défenseurs. Et pendant ce temps-là, les Pingouins avaient beaucoup de difficultés à organiser leur échec avant. Alors voilà, première victoire pour Carey Price à son premier match dans la Ligue nationale. La marque finale est donc Canadien de Montréal 3, Pingouins de Pittsburgh 2. Vous regardez le hockey des Canadiens à l'antenne de RDS.